Bon, allez faire un petit tour dehors, les enfants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore? Hors de notre chemin, ou sinon on te casse la tronche. Laissez Monsieur Loup tranquille, les enfants. Les loups, c'est que des gros sacs à caca. Allez, jouez ailleurs. Bon, ça va, toi? Gros sac à caca? Ah non, mais ils le pensent pas, hein, rassure-toi. Qui a peur du sac à caca? C'est pas nous. Mon ami, je crois qu'il est grand temps de déguster ces petites volailles insolentes. Quoi? Maintenant? Mais t'avais dit qu'on les mangerait quand ils seraient gros et gras. Ils sont bien assez gros et gras. Mais on peut pas les manger! Et pourquoi pas? Parce que quoi? Parce qu'ils sont malades, voilà! Malades? Mais ils m'ont l'air en très bonne forme! Mais on n'est pas malade, maman! Oh si, je suis malade! Ah, tu vois? Allez, repasse demain! Ils seront guéris! Les enfants, venez dans le panier, on s'en va! Vous partez? Je croyais qu'ils étaient malades. Justement, je me disais qu'on allait prendre un peu l'air! Eh bien, je vais venir avec vous. Bon, bah c'était sympa cette petite balade, à demain! Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est le monsieur loup qui t'embête. Venez, on va le dévorer. Non, on ne dévore personne. Aidez-moi à creuser. Bon, les enfants, on a creusé assez loin du loup. On peut y aller. Vous voyez, maman? Je vois rien. Là-bas, regardez, le grand méchant renard. Gre, gre, gre. Ouh, c'est moi le plus grand et le plus méchant des renards. Mensonge! C'est moi le... Oh! C'est moi, le grand méchant renard! Maman! Je vais enfin te donner la correction que tu mérites! Prends ça, maraud! Faquin, butor! Prends ça! Et ça! Tu t'inclines devant ma puissance! Ton pied... Oh, pardon. Maman l'a battu. Allez, fiche-moi le camp, sale bête! Enfin, prends ton temps. C'est vraiment toi le grand méchant renard? Oui, c'est moi. Mais alors ça veut dire... Ça veut dire qu'on est des renards nous aussi? Hein? Vous vous rendez compte? On est les enfants du grand méchant renard. On est les créatures les plus fortes et les plus méchantes. Mais non, vous êtes des poussins. Les poussins, on les mange. On les dévore! Vous êtes des poussins! Vous devez avoir peur de moi! Mais non, tu es notre maman. On n'aura jamais peur de toi. Ça suffit. J'en ai assez. Je ne veux plus vous voir! Les spectateurs sont là, dépêchez-vous! Attends, je suis pas prêt! Bonjour, cher public. Nous allons ce soir vous interpréter trois pièces. Mesdames, messieurs, voici le grand méchant renard! Ah non! C'est la troisième fois cette semaine, ça suffit. Non mais c'est parce que j'ai faim en fait. Je m'en fiche. Pourtant j'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire? Mais tu sais le truc que tu fais là. Ah ça. C'est ça. À table. Maman! Comment ça maman? Non mais je suis pas une poule. Vous êtes des poussins, vous devez avoir peur de moi. C'est quoi ce cri maman? Monsieur Loup est un peu colère. Oh mais tais-toi. Tu vois pas que j'essaie de te sauver la vie? Bon, ben j'aurais essayé. Vos poussins ont tenté de mordre certains de leurs petits camarades. Et ils ont essayé de dévorer Michel. Bonjour, madame. Et si à partir de maintenant, on devenait des adultes responsables? Regarde, papa, ils volent. Ouais, enfin, ils tombent surtout. Fini les jeux idiots, les gamineries. Maman va casser la figure au vilain monsieur. C'était bien? Excellent. Bonjour, tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Michel, est-ce que quelqu'un peut récupérer Michel? Je m'en occupe si tu veux. Ça ne me dérange pas du tout. Non mais ça va, hop là, regarde, oh, ah, il est parti. Je vais voir si les spectateurs sont là. Quelqu'un a vu le bébé? Là, dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un a vu le bébé? Mesdames, messieurs, voici le grand méchant renard! On n'est pas prêt, on n'est pas prêt! Ah! Excusez-nous, tout n'est pas tout à fait prêt. Tiens, prends ça. Quelqu'un prend l'échelle? M'en occupe. Mais attends, je suis encore dessus. Ah! C'est bon, on est prêt. Mesdames, messieurs, le grand méchant renard.